Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un petit haul Nose. Alors un petit hein, parce que j'ai pas trouvé grand chose. Donc je vous montre ça. Il faut que je gère les chiens en même temps, donc peut-être que vous allez me voir un petit peu bizarre, parce que si je ferme la porte, ils aboient, donc il faut que je les laisse venir, mais de temps en temps, c'est un peu compliqué. Je vais d'abord me rapprocher, pour celles que ça intéresse, je vous montre mes yeux, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Pour celles que ça intéresse, j'ai utilisé la palette Willy Wonka, donc de Chiglam, voilà. Et un fard de cette palette qu'on trouvait chez Action. Celui du milieu, le cuivré un peu pour rappeler mon pull. Donc voilà, je vous montre. Et le mascara, c'est le volume que j'ai acheté l'autre jour chez Yves Rocher. Franchement, fantastique. Allez, je reprends ma place. Avec le stack sur les genoux. Les chiens qui tournent autour. Non, tu fais pas tourner la lumière. Allez, c'est parti. Alors là, je l'ai déjà un peu entamé. C'est des gocciole chocolate. Alors, c'est des gâteaux italiens avec du chocolat, un peu de poire. C'est très, très bon. Oui, c'est le prix. Il doit être quelque part là. Voilà, 2,29 €. Et il y a 500 grammes. Voilà. Ensuite, on va rester dans l'alimentation. Et là, j'ai tenu. Hein, c'est deux tablettes de chocolat avec des morceaux d'orange. Donc, 99 centimes. Donc, deux tablettes de 100 grammes. Voilà. Alors, on va continuer parce que là, ça y est, la bouffe s'est terminée. Allez, beauté, il n'y a pas grand chose. J'ai trouvé un tonique purifiant doux à la cerise, alors qu'on peut appliquer avec de la marque Selfie Project. Donc on peut appliquer avec un coton ou bien, je suis peut-être un peu loin quand même, ou bien en spray comme ça. Donc moi j'aime bien ces choses-là, ça rafraîchit et puis de tout, n'importe quand, c'est très bien. 1,50 €. 1,50 € les 150 ml. Alors, ceux qui me suivent un peu connaissent mon addiction, on va dire, pour tout ce qui est papeterie. Donc, papeterie, carnet, stylo, petits goodies, enfin tout, les pinces, voilà. Et là, j'ai trouvé un planeur 2023. J'ai trouvé beau. Donc voilà. Donc avec la partie planeur, la partie to-do list et notes et plus. Donc pour 2023, ce sera mon planeur pour ma chaîne YouTube pour marquer les vidéos, pour marquer ce que j'ai envie de faire pour les projets et ainsi de suite. Alors est-ce que je vais retrouver l'emballage? Voilà. 2,99 € en plus. Donc vraiment bien. Très contente. On continue dans la papeterie mignonnerie. Voilà, pour 99 centimes. Hello Gorgeous. C'est un petit aimant ici. Voilà, on va y arriver. C'est aimanté, ça s'ouvre. Et c'est un petit bloc pour marquer. Pour marquer, c'est un petit bloc-notes. Voilà, puis vous avez, si vous voulez garder ce que vous écrivez. J'ai trouvé ça très mignon, voilà, hop, pour 1 €, ça complète. Et évidemment, je vous mettrai aussi, si j'y pense, en incrustation, comme là, voilà, ça c'est des stickers, un set de stickers, comme des post-it aussi, avec des tailles différentes, voilà. Bon, j'ai pris celui-là, vous voyez. Et il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres thèmes. Donc j'ai pris des photos si j'y pense. C'est pas si j'ai le temps, c'est si j'y pense. Je vous les mettrai en incrustation. 2,99 €. Voilà.
Ça, on aime bien aussi. En tout, il y a 480 post-it. Voilà. Papeterie terminée. Oui. Je dis, j'ai pas pris grand-chose. Hein. Alors ensuite, pour 79 centimes, j'ai pris ces... Si on voit bien avec la red line, c'est galon. Donc il y en a deux de la même taille. Donc là c'est avec des blancs, avec des flocons de neige argentés. Là c'est gris avec des petits pois comme ouais, argentés. Et là c'est gris avec l'écriture blanche Let it snow. Voilà. Let it snow, let it snow. Voilà, c'est ça. Donc 79 centimes le lot de 3. Et chacun d'eux fait 2 mètres approximativement. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça en mignonnerie. Alors j'en ai 2 de chaque. Donc c'était 1,50 décoté à moins 50. Donc 75 centimes pièce. Je vais vous en ouvrir quand même. Désolée pour le bruit. J'avais pas prévu. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le faire. Donc la première. Voilà. C'est une étoile avec, ça fait très hiver, très Noël. Enfin, surtout hiver en fait, hein. Dans certains chalets, la décoration est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi, parce que ça pouvait très bien faire une déco d'hiver et pas seulement Noël. Donc j'en ai 2, comme ça, avec l'étoile. Et 2... comme ceci, donc c'est le même style, sauf que là, c'est avec un sapin. Donc, bois, perles en plastique, petit cœur un peu métal et corde, voilà, style raffia avec le même design dessus. Donc, 2 comme ça, donc 2 sapins, 2 étoiles. Et je vous disais, c'était 1,50 des côtés à moins 50%. Donc, j'ai pas hésité. Voilà, hein, je vous montre. D'autres. Il y avait alors il y avait sans ce design et je crois qu'il y avait d'autres motifs mais je me souviens plus, mais comme moi je voulais pas spécialement Noël, je voulais plus hiver, j'en ai pas pris d'autres. Désolée pour l'aboiement. Voilà, tu te calmes. Non, tu te calmes, tu te calmes. Allez, stop, ça suffit. Donc pour ce haul nose, je vous avais dit que c'était un tout petit haul, mais ça méritait quand même de vous montrer ce qu'il y avait en ce moment. Je sais que là, je vous mettrai en incrustation aussi des photos de déco de Noël, des assortiments de boules, des petits personnages à poser. Enfin voilà, tout un tas de trucs, je vous montrerai tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres hauls ou vidéos. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, le cas échéant, vous abonner aussi, ça ce serait fort sympathique. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire si cela vous plaît, si vous attendez autre chose, qu'est-ce qui par exemple pourrait vous intéresser. Bon, sachant qu'il ne faut pas être trop exigeant non plus parce que j'ai un métier, enfin je travaille à côté de ça et que je fais ces vidéos sur mon temps libre et puis voilà, bon, j'adore, hein, j'aime vraiment faire ça, mais voilà, je ne peux pas y être H24, donc s'il y a des choses qui vous intéressent ou que vous voulez que je fasse, mettez-le moi en commentaire et je pourrai réfléchir et on pourra en discuter ensemble le cas échéant. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.